Ce soir, c'était la dernière rencontre à domicile au Phare, face à Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre à domicile? D'abord, je remercie à tous les spectateurs qui l'ont soutenu depuis longtemps dans la saison. Et exactement pour ça, ce soir, on a voulu vraiment tout donner pour le rendre encore plus heureux, c'est-à-dire de gagner 13e match à la maison, sans aucune défaite, sans aucun match nul, c'est déjà un grand plaisir. On a vu une équipe qui avait envie en face. Ils étaient à moins 7 à la pause. Ils reviennent à moins 1 très rapidement. Déjà, on savait très bien que physiquement, ce match-là, ça devait être trop difficile. Ça montrait, on a bien commencé, mais après, la fatigue s'est installée surtout sur certains cadres. Et heureusement qu'on a bien géré jusqu'à la fin du match. On a des éléments qui partent l'année prochaine, à l'image de Walid Ben Semra qui fait un très gros match ce soir. Vos impressions sur Walid sur l'ensemble de la saison? C'est dommage que ça se sépare avec lui. D'abord, il est un garçon très attachant, très sympa. Il a bien progressé cette année, mais malheureusement, pardon, malheureusement pour problème familial, il devait en quitter. Enfin, pour terminer, un petit mot sur le public. Ce soir, il y avait à peu près 950 personnes au Phare. On voit le public qui reste jusqu'au bout pour la remise des récompenses aux joueurs. On sent que c'est un club assez familial malgré tout. C'est ça, notre vrai plaisir de cette année, c'est exactement ça. On savait très bien qu'on ne pouvait pas monter à cause du problème financier, mais on voulait tout donner pour nos spectateurs, il est bien évident, et pour nous, on s'est battu jusqu'au bout pour gagner les premières places. Malheureusement, Villeurbanne, ils ont été plus forts. Ils méritent sa place de champion. Je peux le féliciter tout simplement. Mais je pense que mes joueurs aussi méritent un grand merci de tout ce qu'ils ont donné tout au long du championnat. Avec Aleksandar Kocanovic, joueur du BMHB, tes impressions sur la rencontre après coup? Ben, on peut dire que c'était un match difficile. Je pense qu'on arrive à la fin. C'est le 25e match sur le 26. C'est vrai, on était un petit peu fatigué, mais finalement, on a réussi à gagner, je pense, de plus. 4 buts et tout le monde est content parce qu'on fait 13 matchs à domicile sur 13 victoires et depuis que je suis à Belfort, ça c'est jamais arrivé. Ouais, c'est une grande première. Le public est très satisfait. Au niveau de l'équipe, je pense que ça va créer une bonne dynamique pour la suite, ces 13 victoires à domicile. Oui, bien sûr, sur l'état d'esprit, qu'on reste dans le match à Fréjus, qu'on termine sur une victoire et je pense qu'on a pris des nouvelles que c'est, je pense, entre Nanterre et Villeurbanne, c'est match nul, qu'on va confirmer la deuxième place. Et on peut dire qu'on a fait une belle, belle saison. À la fin du match, on a encore une remise des prix par le club des supporters Les Indomptables, qui vous supporte à tous les matchs depuis 2 ans maintenant. Vous êtes élu meilleur joueur de cette équipe. Ça fait chaud au cœur, je pense, d'être suivi comme ça par les supporters. Oui, je ne m'entendais pas parce que l'année dernière c'était le même cas. Personnellement, ça me touche beaucoup, surtout quand on regarde le Phare, on a meilleure salle, meilleur public, et ça me touche énormément d'être élu deuxième année consécutive. Walid, ce soir c'était la dernière au Phare face à Strasbourg. Qu'est-ce qu'ont tes impressions sur le match? Ben écoute, on avait à cœur de bien finir la saison à domicile. On a été invaincu, il n'y a pas eu de match nul, il n'y a pas eu de match perdu. Donc déjà, ça c'est le gros point positif de la saison. Ensuite, le match de Strasbourg, c'est un match comme les autres. On les joue sérieusement, du début à la fin. On a eu un coup de mou vers la fin de première et le début de deuxième. Après, on a su bien défendre et repartir de l'avant, quoi. On a senti une équipe de Strasbourg quand on voulait en face. Ils étaient à moins 7 à la mi-temps, moins 1 très vite en reprise de deuxième mi-temps. Ça a été dur de les gérer sur le terrain. Dur comme tous les matchs. Comme tous les matchs durs, parce que on sait que le championnat national 1, le dernier peut battre le premier. On se devait de prendre l'adversaire sérieusement, quoi. Cerise sur le gâteau, 13 victoires à domicile sur 13 matchs. Quelles sont tes impressions sur cette dynamique?
Écoute, moi j'ai de très très bonnes impressions au niveau déjà de l'équipe, l'encadrement, c'est-à-dire Iliane et Didier. Voilà, on avait un challenge de bien finir la saison, surtout à domicile. Après, bon, à l'extérieur, on sait qu'on a quelques difficultés par rapport aux défaites qu'on a eues à Ajaccio et à Célestat. Mais bon, il faut vite tourner la page et les matchs à domicile sont très importants pour nous, pour rester surtout en haut du classement. Annoncé donc que tu retournais donc dans le sud l'année prochaine. Cette expérience à Belfort, elle a été bonne pour toi? Écoute, elle a été très très bonne parce que c'est, comme je t'ai dit, l'encadrement est parfait. On a un préparateur physique sérieux, on a un entraîneur voilà, qui accepte qu'on fasse des erreurs, mais il nous donne aussi la parole pour pouvoir nous exprimer sur le terrain. Après, voilà, moi je garde que de bons souvenirs ici et c'est pas un choix qui a été fait, c'est plutôt un choix qui a été fait à contre-cœur. Ibrahim, en tant qu'ancien joueur du BMHB, tu es ici de retour au Phare, mais sous les couleurs de Strasbourg. Qu'est-ce que ça fait de revenir ici? C'est de l'émotion. Je viens d'ici, donc voilà, j'ai envie de montrer le meilleur de moi-même. Bon, c'est un match, voilà, tout le monde me connaît. Je connais le public, je connais les gens. On a vu que tu arborais le numéro 90, même à Strasbourg. C'est un petit clin d'œil? Oui, exactement. C'est parce que voilà, c'est pas une marque de fabrique, donc voilà. Je suis du territoire et voilà, c'est une marque, comme quoi, ben voilà, je viens d'ici et j'apprécie le territoire de Belfort. Ça a été difficile pour vous face à Belfort? Oui, ils ont très bien commencé en défense surtout et monté les ballons, ils ont mis le rythme. C'était dur, on a subi, on a eu du mal en début de période. On est revenu parce qu'ils commençaient un peu à fatiguer, mais voilà, ils ont quand même bien tenu la maison, quoi. Dès le début du match, on s'est dit de toute façon, donc nous, on était déjà maintenus et on voulait jouer sans pression, mais pas faire n'importe quoi, vraiment donner une bonne image de l'entente sportive Strasbourg-Chétigagne. Et voilà, véhiculer vraiment que dans cette équipe, on a un esprit d'équipe, on a l'envie, et voilà, pourquoi pas battre Belfort chez eux, ça aurait été une belle récompense. Un gros challenge, sachant qu'ils avaient déjà gagné 12 matchs à domicile. Ah oui, ben, c'est sûr, ils étaient très confiants et c'est ce qui a fait leur force ce soir.